m'explique ce qu'il fait lui. Je sais rien, putain. Ça va? Alors, comment ça va les artistes? Bah, perso, j'ai rien écrit depuis longtemps. T'écris toi? J'essaie. Bon, on va pas se mentir. Soit t'es con, soit t'es mauvais pour ça. Si t'arrives pas, t'es dans la merde. Vous consommez? Deux jaunes, s'il vous plaît. Enfin bon, tu arriveras bien un jour? Ouais. Regarde-moi. Dans 10 ans, quand on se reverra, j'aurai un taf d'enfer et je serai blindé de fric. Et toi, bah, tu crouleras sous les dettes. Je vais aux chiottes. Moi aussi. Et moi je disais ça pour toi, hein. Oh putain, c'est fou ce qu'il fait chier, lui. Toi ça va, ça chante pas trop sur toi. Mais tu déconnes, oh merde. Qu'est-ce qu'il leur a appris à Adrien et à Alex d'inviter ce connard? Non mais moi je pense qu'il s'est invité tout seul. En tout cas, il me redit quelque chose comme ça et je lui en mets une. Salut les futurs chômeurs! Oh mais ferme-la, sérieux! Quoi, t'as un problème toi? Toi, tu m'as pété les couilles toute la soirée, et ben tu sais quoi? Tu sais quoi? Et ben je me casse! Ouais! Allez, Maggie! Attendez! On est vraiment désolé. On voulait pas qu'ils viennent. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Bah du coup, salut les gars. Salut, ouais, salut. Ouais, attendez, vous... Vous avez toutes vos affaires? Ouais. Oui, ouais. Bah, restez à la maison, il y a toujours de la place. Ouais, c'est clair, allez, venez. On va faire un petit travail. Voilà. Vous voulez l'addition? Non, merci. Vous savez quoi? Il m'a donné envie d'écrire un putain de spectacle. Qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme le petit génie du one-man show? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, oui. Je pouvais pas m'attendre à un tel succès si soudain. Mais ça fait plaisir. Oui, franchement, ça fait plaisir. Très bien. Et où vous voyez-vous dans le futur? Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi, à vrai dire. Je pense que je vais continuer à faire ce que j'aime. Ou peut-être que j'arrêterai. Eh bien, on ne l'espère pas. Et avez-vous envisagé une carrière au cinéma ou à la télévision? Non, pas vraiment. Pardon? Quelque chose, je pense à toi tout le temps, j'arrive plus à dormir. Dès que je ferme l'œil, je... Tiens, casse sa gueule. Tant que tu veux, toi. T'as un problème, gros.
poisson. Ma. Bon, avant de commencer, je tiens à dire que j'ai rien contre Jean-Loup, mais vraiment rien. Mais depuis qu'il a commencé à jouer dans des films, bah, c'est un peu parti en couille, quoi. Ce qu'il y a, c'est que le film a eu une grosse hype à sa sortie, et tout le monde s'est dit, c'est du Jean-Loup, donc ça va être bien. Or, c'est pas bien. C'est-à-dire que Jean-Loup, il s'est vraiment relâché sur ce coup-là. Je veux dire, il n'y a aucun enjeu, aucun message, y a rien, c'est vide. Je crois pas que Jean-Loup soit totalement aveugle. C'est juste sa fanbase qui pousse à faire des trucs un peu mauvais, du coup ils disent tous, c'est du Jean-Loup, donc c'est bien, alors c'est pas bien, c'est tout. Alors Jean-Loup, vous êtes LA star du moment, vous explosez tous les records au cinéma, mais comment faites-vous pour avoir autant de talent? Ah, vous savez, c'est surtout beaucoup d'entraînement et de volonté. Le talent n'y est pour rien. Enfin, peut-être un peu. Part de l'humour qui m'a fait connaître. L'humour dont vous êtes tous friands, l'humour qui me permet de me tenir devant vous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le mec d'EDF. Il me dit, je viens pour 11h. Mais mon œil, c'était plutôt 15h30. Il y a vraiment des gens qui rigolent à ces conneries. Ça va? Comment tu vas? Bien, bien. Okay. Ouais. Bien, okay. Bien, ouais. T'es heureux? Ouais. Hein, t'es oui. Content? Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Bah, moi je suis cadre dans une entreprise. Waouh, cadre dans une entreprise, waouh. Et t'aimes ce que tu fais? Ouais, c'est ouais. Sympa. Ouais, c'est sympa, ouais, ouais. Et tu crois que t'as mieux réussi que moi? Ouais. Tu la fermes maintenant, hein. C'est Jean-Loup, c'est Jean-Loup. Jean-Loup, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui s'est passé hier? Vous voulez que je vous dise quoi, hein? Vous voulez que je vous dise quoi? Bah, avez-vous quelque chose à dire sur ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, ouais. Allez vous faire mettre. Il est bien dans la merde. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça, ça veut dire qu'il est devenu une cible pour les médias. Ouais, et peut-être que sa carrière, elle est finie. Et s'il revient? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Après ce qu'il a fait? Non, ça m'étonnerait. Salut. Salut. Alors, c'était comment? C'était bien. C'est vrai? Ouais, mais c'était mieux la fois dernière. Comment ça? Disons que c'était bien pour se vider la tête, mais c'était pas ouf. Bah, c'est-à-dire que c'était plus toi avant. Et puis là, on dirait que t'es moins honnête avec ton public. Oui, après, les gens adorent. Les gens adorent, mais c'est pas toi. C'est plus toi. Et puis le message est très différent d'avant. Oui, mais tu sais, moi, tant que les gens viennent, je... Non. Tu dois vraiment te reprendre en main. Mais vraiment. Parce que la machine Afrique, elle va vite revenir dans ta gueule. Tu sais, je crois pas que j'ai besoin des conseils d'un petit graphiste de merde qui ne sait même pas se nourrir avec ce qu'il gagne. Un Baptiste.
je vais me faire foutre. Mais t'es qui? Tu sers à rien. T'es qu'un pauvre dessinateur de merde, personne te connaît. Moi je suis peut-être qu'un pauvre petit dessinateur de merde, mais moi j'ai toujours cru en moi, toujours été honnête envers moi. J'ai toujours fait ce que je voulais, toujours suivi mes rêves. Et toi tu fais quoi? Tu fais des bons spectacles, des trucs un peu sérieux? Mais maintenant tu fais des trucs sur les profs, c'est pas minable quand même? Rentre chez toi,